Eh bien, bonjour et bienvenue sur Xbox Actu, la chaîne des Let's Play. On se retrouve aujourd'hui pour une découverte un peu, beaucoup même, rétro, avec Fear 2 Project Origin, qui était sorti à l'époque sur PS3 et Xbox 360. Donc, on va voir un peu ce que ça donne, voir si le jeu est toujours aussi bon. Peut-être que ça a mal vieilli, peut-être que ça a bien vieilli. Donc, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va passer un bon moment ensemble. Allez, hop là. Donc, j'appuie. Donc, hop, nouvelle partie. Un joueur en normal. Allez. Donc, on est parti certainement pour une petite heure. Une petite heure, voire plus de bonheur. Waouh, j'étais pas prêt à ce que ça aille aussi vite. Mon Max, comment ça va? Ça va, Max? Vous savez, je suis un petit peu de rétro là. J'avais une envie d'ancien jeu aujourd'hui pour streamer. Intervalle. Alors, t'as pensé quoi de la conférence fou furieuse d'Xbox hier? D'accord. Ils ont calmé tout le monde hier. Pas mal pour une marque pour la mort d'Xbox annoncée par beaucoup. Ah oui, si je marche là-dedans, je suis mort, on est d'accord. Il faut que j'y aille. Bon, on tente. Au pire, je meurs. Eh non, c'est bon. Sur la conf d'hier, je regarde à chaque fois que je voyais quelque chose. Je me disais, il faut que j'y joue. Il n'y avait rien à acheter. C'est gentil de nous rejoindre. Asseyez-vous, Red. B4, je dois vérifier ça à votre hôpital. Il n'y avait strictement rien à jeter dans leur conférence, quoi. Parce que des fois, il y a toujours un petit ventre mou avec des petits jeux indés, pas forcément foufou. Il y en a des très bons, mais voilà, pas forcément foufou. Et là, franchement, non mais Doom, Black Ops 6 qui bande annonce de Black Ops 6 avec du Prodigy en plus. Alors moi, j'ai de refus. Même le petit jeu, voilà. Je vais peut-être augmenter le son des voix, non? Parce que il est un peu faible le son des voix des personnages. On va regarder un peu parce que le son. L'audio, je vais baisser la musique. Voilà. Ah voilà.
Bon, ça va, c'est encore propre, hein, franchement. Passer par l'entrée secondaire. Ah ouais, ce soir il y a Ubisoft. C'est pas un appartement, c'est plutôt un véritable musée. Ce soir il y a Ubi et ça va être fou avec Star Wars. Pas un ascenseur, pas un petit ascenseur. Ah voilà, petite lampe torche. Bon, c'est pas un ascenseur, hein, mais il était bien temps. Beckett admirait le paysage. On a des problèmes, allons-y. Passez tout, Beckett. Ok. Tu connais bien le jeu? Ah yes! À plus tard, plus tard. Merci d'être passé. Et puis bah bon courage pour le taf parce que je me doute que si tu restes pas trop, c'est que t'étais en pause au taf. Nos infos indiquent un ascenseur privé menant à l'appartement d'Aristide, mais il est verrouillé. Il me faut une minute pour gérer le système, sauf si vous voulez y aller à pied. Ça non. Quelqu'un a perdu du sang. Il a dû être touché à l'aorte. À la horte, vraiment. À la carotide ou à l'artère sous clavière? Ouais, faut pas être bien dans ses baskets pour se moquer du savoir des autres. Il faut vite trouver Aristide. Figé, faute, sécurisez l'aule. Reprenez l'escalier. Les autres viennent avec moi. L'escalier? Putain, pourquoi, chef? Il y a au moins une centaine d'étages. Je m'en fous pas mal. Allez, Beckett, bougez-vous! J'arrive, mon ami! C'est quand vous voulez, Beckett. Oui, attends, je suis en train de répondre à un message qu'on m'envoie. Parce que tu sais, on m'envoie des messages. On m'envoie toujours des messages quand je suis en stream. Allez. Allez, Beckett, c'est parti. Y a pas beaucoup de son, y a pas beaucoup de son. Je vais aller dans le volume. Voilà, ce sera mieux là. Foiré! C'est mieux. Saigne! Putain! Je vais m'en occuper. Stokes, Beckett, continuez. Le gilet pare-balles a arrêté l'essentiel, chef. Sauf une balle. Comment il va? Pas bien, mais il vivra. Ça va, Kigan? Ils m'ont eu à la horte. Bon, laissez tomber. Quelle vue, hein? Ah, j'avoue, je me suis pas retourné. Faites gaffe, je compte sur vous. On va faire attention. On va mourir, c'est sûr. On tire pas sur Aristide. Et je vais mourir, c'est certain.
Beckett, par ici. Eh ben, laisse-moi récupérer un peu de munitions, madame, là. Alors, madame ATC dit, allô, vous êtes là, vous avez plutôt intérêt. Snake First dit, bon sang, je vous ai dit d'arrêter de m'emmerder. Je fais au plus vite, j'ai passé tout ce putain de week-end sans clim à manger ce qu'il y a dans cette foutue machine distributrice. Ok, bon, on va pas tout lire, hein. Parce que vous voyez, il y a de quoi. Donc du coup... Ah. Encore des renseignements, je m'en occupe pas. Bon, le jeu est très violent, hein. J'en ai pas besoin, donc j'en prends pas. Cool. Sélectionnez le mode de tir. Ah, on peut choisir, ouais, non, non, on reste. Ok. C'est pas trop tôt. Essayez de retrouver Stokes et Beckett. Compris. Je grimpe là-haut. Ah, il est bien nerveux. Je peux pas récupérer l'argent. On va se mettre. Je me suis mis un petit coup de vie. Eh, hey, Mickaël, comment tu vas? Ça va, mon Mika? Excuse-moi, j'avais pas vu, j'étais concentré. Ça va bien? La Toulousaine va bien?
Ah, super. Bah écoute. Wow! Bah il est où? J'ai pas vu qu'il m'a tiré dessus. Ah là-bas. Écoute, moi ça va super. J'ai une conférence, honnêtement, une conférence Xbox du feu de Dieu, on est d'accord? Et puis là, j'ai voulu faire un petit jeu rétro. Toi, je me suis dit, tiens, j'ai fier d'eux. Ça fait longtemps et en attendant les grosses vagues qui vont arriver, c'est toujours sympa Je ne de. Je sais rencontre pas pas si de tu connaissais mauvais cette clients. licence. Voilà Le jeu, il est pourquoi à j'ai 2 fini euros. de tout être après Biquette. Le jeu, il est à 2 euros sur le store. Je me suis dit, je l'ai en boîte. Allez, je vas-y, je l'achète en démat. Pour 2 euros, je l'ai dans ma bibliothèque comme ça. Verrouillé. Bon, bien sûr, je vais mourir, hein. Ça, si je... De toute façon, si je meurs pas, vous allez m'en vouloir, donc. C'est ça. Il y a des bons jumpscares et tout. Et le jeu, franchement, regarde. Alors, je sais plus en quelle année il est sorti, mais il est carrément propre, hein. Et toi alors, t'as pensé quoi de la conf Oh, j'ai peut-être fait Voilà une tout ça bêtise. en galère comme ça, dans les ténèbres. Je vous ai vu sur les caméras de surveillance. Oui, tout Attention, à fait. ils sont nombreux. Allez dans la chambre principale, il y a une porte secrète. Ah bon sang, le signal est brouillé. C'est vrai qu'il y a du paranormal et tout dans ce jeu. Avec les décors entièrement destructibles aussi, enfin avec des parties de décors qui se détruisent, c'est bien aussi. Ah oui, c'est vrai, ouais. Mais avec tout ce qu'ils ont balancé. Pourquoi santé complète du coup? Bah non, parce que ma santé elle est pas. Ah si, ma santé elle est complète, ouais, d'accord. Bon, tous les trucs, je les lis pas, hein, sinon on n'a pas fini. Mais t'as vu tout ce qui va sortir, les jeux de malade. Call of Duty, il va être fou. Et en plus, ça, ils ont fait une bande-annonce. Ils ont fait une bande-annonce avec du Harlan, Prodigy, donc moi ça je surfais, suffit. hein. Elle est Ouais, Sons trop of Midnight, dangereuse. On me Doom, demande d'enfermer ma propre Fable. fille. Tu savais que ça devait arriver. Il y en Où avait ça trop trouve? en fait. Il n'y avait rien acheté. Il n'y avait rien acheté, tout était bien en fait. C'est ça le truc, c'est que tout était bien. En toute objectivité, hein, si ça avait été pourri, moi je suis toujours le, tu me connais, je suis toujours le premier à dire, ouais, bah, Xbox, c'est bon, faites n'importe quoi. Mais là, il y avait clairement rien acheté, hein. Xbox qui présente Metal Gear, quoi, je veux dire. Alors que tout le monde le vendait comme une exclue PlayStation parce que c'était PlayStation qui l'avait présenté et qui historiquement c'était PlayStation. Et ben non.
En fait, il sortira sur les deux supports, donc c'est super en fait. C'est super que ça sorte partout, voilà, tout le monde jouera et. Tout le monde jouera, tout le monde kiffera et point barre. Sergent Beckett, où est le reste de l'équipe? Le temps presse. Oui, voilà. Vous et votre équipe représentez le seul espoir d'arrêter Alma. Bon sang. C'est elle. Cette espèce d'ordure vient sûrement de nous condamner. Qu'est-ce que t'en penses? C'est sympa de faire un petit peu de rétro comme ça, non? Sur la chaîne. Je me suis jamais aventuré sur ça. Oh, Perfect Dark. Oh là 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 là. Et Gears aussi. C'est une femme maintenant. Elle ne le savait pas. Ouais, super idée, hein, génial. Tu sais, comme ça rajoute encore quelque chose à la chaîne, tu sais. Guerre, j'ai aucun doute. Alors là, vraiment, bah, de toute façon, tout ce que j'ai vu hier m'ont rassuré. Indiana Jones, tout. Je me suis dit, voilà, là, la mage de Starfield qui est arrivée. Il y a trop de choses. Mais c'est génial, en fait, c'est génial. Xbox en pleine forme, même si Phil Spencer, après, a parlé comme quoi ils allaient porter de plus en plus de production Xbox sur les autres supports, mais même sur les 1 an avant. Ou même sur les appâts un an avant, les dans le Game Pass. Donc, et pour un jeu 360, t'as vu la vitesse des chargements? Il réagit aux médicaments. Vérifiez le dosage. C'est vraiment pas normal. Et si ça ne marche pas? Alors quoi, docteur Yor? Une minute. Vérifiez à nouveau sa tension. Bon sang, le défibrillateur. Il est en train de fibriller, chargé à 200. Non, plutôt à 300. Il est vivant, mais il charge aussi vite qu'avec un SSD ou un truc comme ça, alors que c'est un jeu de l'ère 360. Fear 2, je sais pas, il est sorti en quelle année? Ça a marché. Continuez la Fear morphine. 2. 4 mg. Il fait de la tachycardie. Faut d'abord qu'on le stabilise. Il est instable. Ce serait Fear 2, il de est sorti en poursuivre. 2009. C'est de la folie. Il est sorti en février 2009, donc c'est un jeu qui a 15 ans. Ça va légèrement passer. Maintenant. Le jeu a 15 ans. Ah ouais, mais 15 ans. Je trouve le jeu encore super propre. Et les chargements c'est quelque chose, hein. Bon, tous ces trucs là je les lis pas, hein. J'ai un faible signal de vous et de Beckett. Aucune trace des autres.
Et tu vois ces jeux, les FPS, ils avaient, je trouve qu'ils avaient, je sais pas, ils avaient une patte par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui, que ce soit Xbox, PlayStation, n'importe. Hein. Ils avaient un petit quelque chose qui te disait, je sais pas, qui les différenciait. J'arrive pas à l'expliquer, j'arrive pas à mettre de mots dessus, mais ils avaient un petit truc en, le petit truc en plus. Toi, c'est comme le bon et le mauvais chasseur, toi. Toi, tu prends Fear, tu prends. Je ferai peut-être un stream aussi sur The Darkness qui était excellent aussi. Avec un gars possédé, adapté d'un comic, c'est un gars possédé un peu à la Venom, on va dire. Bon, alors, par contre, je sais plus, j'espère que tous les trucs que je suis en train de lire. Il faut pas que je regarde, il n'y a pas des mots de passe et tout dedans parce que ça fait 15 ans que je l'ai pas fait ce jeu, alors forcément. Une petite trousse de pharmacie, une petite trousse de soins, ça fait toujours du bien. Ah puis bah Valorant aussi, moi j'ai mini moi, il est ouf hein, avec Valo. Moi je m'en moque, mais parce que je suis pas très jeu comme ça, mais c'est génial quoi. Comme je le dis à chaque fois, c'est pas parce que j'aime pas, c'est pas parce que j'aime pas que c'est nul en fait. Alors c'est pas là? Non, c'est pas là. Ah, c'est ici. Où es-tu? Oh. Suivons les traces de sang. Histoire de nous rassurer un peu. Un renseignement. De quoi sur Xbox? Oui. Alors Ubi, si tu regardes leur conférence sur Twitch, t'as des drops. Donc moi je pense que je vais regarder en parallèle sur Twitch. Pour avoir des drops dans leur jeu à licence célèbre. Si c'est de ça que tu parles. Hein. Si c'est ça dont tu parles. Oh. Monsieur, il est pas bien. Je vais éteindre la lampe torche. Oh non, c'est mieux avec. Toujours, on va suivre le sang, mais on va fouiller un peu. Oh! Le bon que j'ai fait. Hey, vous, restez là. Pas de soucis, je m'enfuis. Pourquoi je peux aller jusqu'ici? Attends, je regarde parce que j'ai un truc.
Il y a un décalage au niveau du son du jeu, c'est ça? Bizarre, bizarre. Attends, je vais regarder. Sergent Beckett, Dieu merci, tout va bien. Je suis sûre que vous avez plein de questions. Je vais tout vous expliquer, mais avant, entrez dans le labo du CRC. Vite, et attention, les hommes de Valais du sac de bon sexe. Je ne pensais pas qu'il y ait des fois pour cacher les preuves. Ah, attends, on va voir quand j'aurai une arme, tu sais. On va voir quand j'aurai une arme. Attention, sergent Beckett, vous allez tomber dans une embuscade. C'est un canal sécurisé. Identifiez-vous. Il doit nous observer sur les caméras de sécurité. T'as un décalage aussi là? Appelez-moi Snake Fist. Snake Fist? Vous vous foutez de moi? Eh, je ne sais pas qui d'autre écoute et je ne veux prendre aucun risque. Il faut que vous sortiez de là. En tirant, il y a quand même le décalage? Ah oui? Ah, les balles fusées avant, d'accord. Attends, alors je vais essayer de faire un truc. Je vais revenir au menu principal. Bon, j'espère que ça va pas effacer. On va voir, tu sais, j'ai relancé pour voir. Est-ce que tu as vu ces téléchargements? C'est mieux ou pas là? T'es où toi? Pareil. Attends. Alors je vais essayer un autre truc. Je vais. Alors je sais pas si ça va couper le flux du coup. Ça va mettre en. J'ai relancé, hein, tu me diras si c'est mieux. Allez, bah ça va, on est au même endroit.
C'est comment maintenant? C'est nickel? C'est good pour toi? Ah super, ben merci de me l'avoir dit. J'ai relancé le jeu complètement en fait. Oh. Santé complète. Je crois qu'il y en a un qui est bugué là, gars. Ah non, ça va, ça va, ça va. J'ai déverrouillé la porte pour eux. Bah, je suis un copain. Ouvre la porte, je suis un pote. Je viens de te sauver, madame. On peut dire que je suis un peu comme, comme un ami en fait. Ah voilà, je me disais bien, un petit gilet pare-balles, allez. Et ce jeu est toujours aussi bon. Oh! Parfois ça. Y a un petit lag, ça vient pas du stream. Hein. Parfois t'as juste un petit lag qui. Madame! Mais c'est moi! Béatrice! Stéphanie! Mais c'est moi! Regarde! Je les ai tués! Ouvre-moi la porte! Ah yes! Yes! Pas de souci, pas de souci! Ce sera avec plaisir! Si je suis dispo, parce que demain j'ai rendez-vous, j'ai des rendez-vous aussi. Mais oui, on continuera notre, comment dire, nos exécutions involontaires. Bon, du coup, alors, je peux pas, madame, ouvrez-moi la porte. Parce que là, je crois que du coup, je suis bloqué, non? Il y a un truc au-dessus ou pas? Je referme pas les toilettes. Un petit peu de jus de tomate. Ah, ça casse ça. Ah ouais. Pas celui-ci, mais l'autre il pète. Bon, écoutez, madame. Ah, à moins que il y en ait qu'un. Une clé.
que là, madame, tu m'embêtes. Parce que madame, je suis bloqué. Ah. Voilà, il y a l'ascenseur. Pour lequel. Ah non, ils arrivent juste en fait. Oh, je leur ai placé une belle greu là. Oh! Les gars, vous me faites pas ramasser des balles là? Voilà, soyez généreux quand même. J'ai éteint la lumière, comme ça dès que ça s'ouvre, s'ils sont là. Bon, du coup, il leur faut de la lumière. Pas lui. Voilà, là c'est bien. Ouais, pas de musique d'ascenseur là, ça m'a manqué. Objectif ajouté, allez. On va se remettre un petit peu de lumière. Je crois que j'ai un peu assuré là pour l'instant. Sur ce coup-là, je me suis mis bien. Et je sais pas si t'as vu, j'ai participé à une émission sur l'accessibilité. Sur la chaîne de The Geek Room. Bien sûr, je vais me tourner d'un côté, ça va être de l'autre. Hein. Non, ça va. Ah, la petite carte magnétique. Oui, il faut, c'est la chaîne Twitch The Geek Room. Geek, bah Geek et puis Room quoi. On a participé à ça vendredi soir. Ça s'ouvre pas non plus. Voilà, il me faut ça. Oh là 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 là, toi tu restes là où tu es, hein, tu m'embêtes pas. Pour le boîtier de carte magnétique dépassée. Alors, je sais pas si. Je sais pas s'il a une chaîne YouTube, mais je sais que c'est en
podcast ou sur la chaîne Twitch. Chaud, encore un, deux même. Oh, oh, oh. Me suis trompé pour ramasser les armes. Ouh, ouh, ouh. Ah bah voilà, au moins, le pompe il est efficace. Hein. Ah, tu l'as trouvé, ouais, ouais. De toute façon, à mon avis, tu vas voir ma tête, alors... Ça, on s'en moque. Y a-t-il des choses cachées ici? Non. Madame, restez là où vous êtes, s'il vous plaît. Si j'en ai pas envie, je vais vous suivre, madame. Je sais, tu es là. Calme-toi, calme-toi, madame. Beckett, je suis avec Geneviève Aristide. Nous allons au labo du CRT. On se rejoint là-bas. Aristide dit qu'on était tous mal en point quand ils nous ont amenés ici. Mais on dirait que vous avez le plus morflé. Elle était surprise de vous voir debout. J'avoue qu'on n'était pas au top de notre forme. Alors du coup... une échelle ou un truc comme ça quelque part, non? Ah, d'accord, d'accord, on est revenu. On est descendu, d'accord. Ici, je pourrais pas ouvrir parce que c'est bloqué. Encore du monde ou pas? C'est bon, je peux sortir.
Bon, depuis tout à l'heure, je suis les traces de sang, je ne cherche même pas à comprendre. Hein. Allez, petit problème de toilette. Hein. Je voudrais pas être les personnes qui vont faire le ménage. Ah là, des petites mains là. Oh bon, on peut pas. Là, on peut pas. Là, on peut pas. Ça va être là. Je vais me cacher un peu. Oui, c'est monolithe. D'ailleurs, ils font... J'ai un vieux trou de mémoire. Qui... Oh. Ils font quoi, monolithe, maintenant? On est d'accord, il n'y a plus de studio. Ah, ils sont en train de bosser sur Wonder Woman, d'accord, d'accord. Mais sinon, ils ont... Ça fait... C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vu le logo de Monolith. Là. Moi je t'entends mon pote. L'ombre du Mordor, d'accord. Ouais, donc ouais, bah, enfin l'ombre du Mordor, ça date quand même, hein, c'est... L'ombre du Mordor, c'était génération 3-6 aussi. Non, début d'Xbox One. Donc ces jeux-là, c'est 2014 à peu près, quoi. Oui. Oh, ici ça va péter là. Contente de vous voir. Allez. T'es contente de me voir? Bah ouais, tu m'étonnes. Ok, je t'écoute. Hein, l'ombre du Mordor, c'était. C'est... Elles se font attaquer. On ne peut pas le laisser. Non. Retournez de vous et voyez s'il y a un2014, il est sorti l'ombre du Mordor. Donc toi, 10 ans aussi, hein.
Vous devez faire partie du projet Harbinger. Ça expliquerait pourquoi Aristide vous a amené ici. Commandant, les avions ont la rentrée principale. Compris, j'arrive. Ne les laissez pas filer. Samuels, terminez-moi ça. Cette ordure n'ira nulle part. Oh! Ouais, j'ai du mal à me les faire. Je sais que j'ai de la vie là, donc je vais voir où j'en suis. Non, ah non, je suis bien niveau vie. Non, par contre, je vais faire ça. Ah mince, j'ai fait. Hop, hop. C'est pas ça. Alors. Voilà, je retire ça, je retire ça, je fais ça. Voilà, allez, on continue. 2017, leur dernier jeu, d'accord. Mais l'ombre du Mordor, c'était il y a 10 ans. Comment il est ultra dynamique le jeu, je trouve. Il y va quoi, je veux dire. Il est bien violent. Ah cool, voilà, je savais que j'avais de la vie. Bien violent, bien prenant. On sent bien qu'on est en train de défourailler avec notre arme. Oh. Il y a un deuxième, non? Je vous ai bien eu, les amis. Heureusement que je me réserve la vie là, parce que sinon, je crois que je serai pas au top de ma forme. Beckett, je trouve pas Aristide. Elle a dû paniquer et s'enfuir. Essayez de la retrouver. C'est vrai. Bon, on va essayer. Je te promets rien, mais je vais essayer quand même.
Alors, l'ombre de la guerre dans les jeux. D'accord. Oui, l'ombre du Mordor le premier, l'ombre de la guerre le deuxième. En 2017, donc ouais, ouais, 7 ans. Bon, allez, hein. Peut-être que je vais mourir, mais ah non, ça va. Mais je suis impressionné par les temps de chargement. Hein. Ouais, je me disais, il y en a encore un. Je ne trouvais pas le dernier. Les décors destructibles aussi. Faut souligner les décors destructibles. Viens. Il y en a un autre là. Ah, il est là. Wow. Ça, c'est vrai. J'ai le slow motion là-haut, là-haut. C'était ta mère. Ça se fait plus beaucoup, ça, les décors destructibles. Hein. C'était génial. Hein. T'arrives, tu tires sur un mur, le mur s'abîme et tout. Ça donnait un côté tellement plus réaliste, un peu comme dans Max Payne, Matrix. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux faire péter ça? Je dis bien. Montre-toi, mon ami. Alors, désolé pour toi, j'ai été obligé de te tuer, mais... Ah mince. Je crois qu'il va aller aux toilettes assez facilement ce soir. Oh, une grenade. Ouais, voilà. Ah, encore le décalage de son. Mais c'est chelou ça. J'ai raté mon saut. Attends, je vais avancer et je vais relancer au cas où.
Donc c'est pas là, c'est... Bah, ça doit être pas ici. C'est trop bizarre ce décalage de son. Hep, 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 hep. On se calme les gars. Voilà, on se met bien. D'accord, bah, je vais essayer d'avancer, d'avoir une sauvegarde. Ah, c'est bizarre ça, hein. Tu vas me dire si ça continue au prochain fight. De toute façon, là, ça aura sauvegardé. Cadeau. Oh, grenade. Voilà, j'allais dire, il y en avait là. C'est chelou cette histoire de son. Allons faire quelques petits enregistrements en cours, toi. Voilà, je voulais ça. Ça, y a toujours un décalage ou pas? Toujours, ok. Alors je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais quitter le jeu. Allez, on va voir si ça continue. Oh, j'entends une grenade. En voilà une, en tout cas.
Donnez-moi des balles, donnez-moi des balles. Là, c'est mieux? C'est mieux ou ça a planté? Non, c'est bon. Attends, je regarde. Voilà, j'ai rechargé. Et là, c'est bon. Merci, 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 Mika. Tu me fais peur, madame, tu me fais peur. Oh, oh, comment je me suis raté. Je me suis raté sur les grenades. Oh, c'était beau. Attends, attends. Merci pour les grenades, merci pour les balles. Bon, 25, c'est 25, c'est pas une dinguerie, donc. Oh! Merde. Allez-y, cours! Allez-y, les gars, courez vers ma grenade, moi ça me va. Je rate mon coup et le jeu il dit tiens! Alors, bah moi j'ai pas de décalage dans le jeu proprement parler, mais là j'ai pas de. Il faudrait que je regarde sur mon retour, tu sais. Mais voilà, attends, je vais regarder sur le retour. Je vais regarder. Donc il va peut-être y avoir un petit écho quelque temps. Bah écoute, moi j'en vois pas trop, mais après je viens de relancer, donc on verra quand ça, quand ça le refera. Son profil télésthétique est secret. Comme je m'en doutais, elle peut le sentir sans amplification. Snakefist, et putain qui c'est cette Alma? Elle est la mère de l'apocalypse. Snakefist terminé. La mère de l'apocalypse, elle est rassurante cette personne. Ça doit être une personne fort, fort sympathique. Alors là-bas. Il y a eu carnage. Y'a rien aux toilettes. J'ai un cadeau. On n'a pas dans ce jeu, on n'a pas une sorte de truc à clous. Tu sais, ça les. Je les embroche au mur en fait. C'est un cadeau.
Mais ils ont mangé? Ils ont mangé, mes amis. Hé, hey, Max! Half-Life à l'arbalète. Ah ouais! Ah oui, voilà, voilà, c'est dans Half-Life, voilà. Mais on est d'accord. Il y avait bien un truc où on peut les embrocher au mur. Du coup, heureux. Apparemment, je t'ai donné envie de revenir, Max. T'as vu, tu t'es dit, ah, il me fait un petit... Et tiens, moi, je me permets de te poser aussi la question. J'ai posé la question à Michael. Proposer un peu plus de jeux un peu rétro de temps en temps, ça pourrait être sympa sur la chaîne ou pas? Histoire de rajouter encore des choses que... Oh! Histoire de rajouter encore des petits trucs à la chaîne, quoi. Après, comme le dirait Mickaël, c'est pas comme si qu'il n'y en avait pas déjà, il n'y avait pas déjà énormément de choix, on n'avait pas déjà énormément de diversité. Ah oui, c'est vrai, il y a des bestioles comme ça maintenant. Voilà, oui, bien sûr, toi, des hits comme Fear, bon, pas Halo, parce qu'Halo, j'ai déjà refait, mais des vieux incontournables, en fait, toi, j'ai envie d'appeler ça des vieux incontournables, des jeux qui ont marqué leur époque, toi, comme, tu parlais d'Half-Life, faire du Orange Box. Faire du Orange Box, ou faire du Condemned aussi, Je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu, c'était Sega, je crois, qui faisait ce jeu Condemne. La pochette, c'était un œil. Je crois que oui, c'est pas exposé. Oui, c'est ça. C'est ça, mais ouais. Elle date de quand, la Orange Box, encore une fois, 2010, dans les années 2010, la Orange Box? Avec tous les Half-Life et tout. Ah, on est dans... C'est ça qui est bien de faire un jeu un peu à l'ancienne, c'est que... On est dans la nostalgie, on se rappelle, on se remémore des jeux qu'on a fait... Il y a 10, 15, 20 ans. La crise de Alan Wake. Oui, c'est ça. Oh, Alan Wake. Oh là 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 là. Ah, puis là, en plus, ça. Il sort en physique. Alors, c'est bon, là. Tous les rageux n'auront plus besoin de faire ouin-ouin. Je peux comprendre qu'on soit pas content que ce soit pas en physique, mais de là boycotter un tel bon jeu, je comprends pas. Après, l'avantage c'est que là, si j'ai une bêtise, si Alan Wake en physique, il fait 1,5 million, 2 millions de ventes, ça fera peut-être réfléchir les studios à dire au final, les gens ils veulent encore du physique. Ça va être une sorte de barème, hein, parce que... barème, de baromètre. C'est une sorte de baromètre qui va dire, alors... toi, ouais, 2007, donc toi, je... quasiment 20 ans. Lâche-moi, toi.
Alors si vous pensez que je suis en train de faire un carnage, c'est le cas. Mais viens, n'aie pas peur, je te veux pas de mal. Allez, viens. Ah, il veut pas mourir, lui. Hein. Bon, attends, on va aller le chercher dehors. J'en ai mis une dans les jambes. Qu'est-ce qu'il est bien. Ouais, c'est ça. Il est... On pourrait dire qu'il est jouissif. Tu sens, tu sais... Tu sens que quand tu tires, t'es pas là pour enfiler des perles, quoi. Ah, bah voilà, dans le doute. Allez, ça ouvre. Mais je vais faire ça du coup, je vais ressortir des... Je vais regarder un peu dans ma collection les vieux... Des vieux classiques, des incontournables et tout. Oh oh. Vous entendez? Non. Mais t'es un peu dans le mal toi, non? Tiens. Et clairement, alors je l'entends pas, mais j'ai pas envie de l'entendre. Bon, ça va me demander de regarder à gauche, ça va être à droite, je le sens. Oh là là. C'est bien dégueu. Hein. Ouais, je sais pas. Dans les classiques, il y aurait quoi? Blue Dragon. On pourrait faire du Blue Dragon. Blue Dragon, Lost Odyssey. Je sais pourquoi elle pleure. Ils ont pris ses enfants. Elle n'a pas pu les serrer. Faudrait que je fasse un petit listing de, alors déjà de ce que j'ai, et après pourquoi pas rechercher. Je veux dire, y a certains jeux 360, certains classiques que je pourrais rechoper dans un cache ou un truc comme ça pour 2-3 euros. Hein. Un vieux Call of, je sais qu'il y a eu des vieux Call of. Moi, Condemned, en tout cas Condemned, je me vois bien le faire. The Darkness, je me vois bien faire ça aussi. Je parle des jeux que je sais que j'ai en... Je possède en physique. Je les ai ces jeux. Donc... ouvrir la porte. Je suis arrivé ici, c'était très sale, voilà, il y avait des viscères un peu partout, voilà. Il y a pas genre ouverture de porte ou des blocages. Ah. Bah c'est ça surtout, c'est qu'avec le gold en plus ça, moi je suis abonné gold depuis le début. Donc je pense que je dois avoir des classiques. C'est pas ça. Ah ça y est, j'ai ouvert. Coucou.
Ça va? Bonjour. Comment s'est passée l'opération? Pas très bien, je pense. Donc ça, je peux pas casser. Là, je peux rien faire. Non, on peut rien. Ah, bah voilà. Bah oui. Là. Ne bougez pas. Elle est à moi. Calme-toi, calme-toi, mon ami. Beckett. Ouais, donc j'ai moyen de faire une petite série des classiques. Avec une petite playlist dédiée des classiques 360, génération PS3 360. Alors, juste sur cette gêne, hein, moi après je vais pas au-delà. Hein, je vais pas au-delà. Moi désolé, je suis pas trop dans le rétro. Je kiffe pas jouer à des jeux que j'ai adoré à l'époque, mais qui aujourd'hui sont plus regardables, quoi. Mais après, je conçois que beaucoup de monde aime se replonger dans ces classiques. C'est d'ailleurs pour ça que le rétro gaming est en train de flamber, mais dans la démesure la plus totale. Avec des jeux et des consoles rétro à 800, 900 balles, 1000 balles. Pff. Donc tu vois, enfin vous voyez, Michael, Max, au final, à vouloir faire juste ce petit fire comme ça au pif, bah, je me retrouve à rajouter encore des jeux à présenter sur ma chaîne. Écoutez-moi, le sujet a pu être implanté sans complication. Je ne sais pas pour qui vous travaillez, mais... vous devez contacter. Coucou. Il m'a mis une grenade. Le bullet time. Je suis presque sûr qu'il y avait une sorte de truc à pieux en fer qu'on jetait et on clouait les gars dans ce jeu. Je suis presque sûr de ça. C'est dingue ce souvenir que j'ai de pouvoir faire ça dans le jeu. Ça va, j'ai fait le plein de balles de pistolet mitrailleur. Du coup, c'est là, ouais. On va regarder ce qu'il y a ici. Bon, il n'y a rien. Non. Ah oui, à l'école. Oui, oui, oui. Je
ce serait dommage que je débarque. Que je débarque sans avoir rechargé mon arme. Oh, pop, pop, pop. Oh la panique à bord. Attends, hein. Alors, mais... C'est ça. C'est ça. Et... Aïe, Non, mais de toute façon, je vais en trouver. Je vais essayer de me faire une petite liste de classiques. Mais c'est vrai que là, il me fait... Du coup, il me fait un peu moins peur. Pourtant, je suis au casque et tout. Ah, après, je pourrais faire... Bah, Doom 3. Doom 3 qui était aussi un jeu sain. Ah non, c'est un peu trop vieux, Doom. Ah bah déjà, je pourrais refaire du Devil May Cry. J'essaie de regarder un peu les jeux que je vois là. J'avoue que je les ai rangés, mes jeux Xbox 3.6. Mais du Devil May Cry, ça pourrait être sympa. Alors pas BioShock parce que BioShock il est ressorti en classique. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi l'amélioration de réflexe? Bon. En tout cas, j'ai ramassé une amélioration de réflexe. Tout est en train de péter. Ouvre-moi la porte, parce que je vais mourir. Hein. Oh! Ah bah voilà, bah je suis mort. Un Dino Crisis, pas bête. Army of Two. Alors, Army of Two, ça c'est certain. Army of Two, Max Payne 3, Sleeping Dogs aussi, que je pourrais faire. Sleeping Dogs, le film, le jeu fait par John Woo, avec l'acteur, alors je vais le pauvre, je vais brécher son nom, Chong Yun-Fat. Voilà. Ouais, mais là, du coup, comment voulez-vous que je fasse, les gars? Ah, je dois avoir une vieille compétence à faire. Bah non, en fait, c'est ce qu'il appelle l'ascenseur. Bon, du coup, je vais remourir. C'est bon, j'ai trouvé. Donc ouais, je pourrais faire The Army of Two, The Max Payne 3, parce que le 1 et le 2 étaient beaucoup plus vieux. The Army of Two, The Sleeping Dogs. Ouais, je vais faire ça. Ça, c'est qu'à la fin. Allez. Allez, dépêche, dépêche, dépêche. Ouf. Vite, 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 vite. Nickel. Army of Two, mais Kenan Lynch. Ah, si j'ai encore Kenan Lynch qui était excellent. Kenan Lynch. Ah voilà, vous voyez là, j'en trouve. On en trouve des jeux là. On trouve des jeux où on se dit ça peut être sympa. Les gens. Je
Je sais pas si vous en souvenez de Kanan Lynch, il y en avait un des deux qui était complètement barré. Oh, t'as eu de la chance toi. T'as eu de la chance mon ami. J'ai failli te tuer. Ouais. En tout cas, pour l'instant, je n'ai besoin d'aucune vie. Je dis bien pour l'instant. Ah, voilà ici. Red Faction? Red Faction que je pourrais faire aussi, les vieux Red Faction. Ouais. Là, j'ai plein de jeux en tête. Si vous avez d'autres titres qui pourraient être sympas de vous faire en stream dans le rétro, alors de l'ère PS3 360. Mais je pense déjà qu'Army of Two, là tout ce qu'on vient de dire, on a déjà au moins 7 ou 8 streams. On a 7 ou 8 streams. Après Dino Crisis, Michael, je crois que je dois avoir le 3. Mais. C'était génération Xbox. Xbox première du nom, je veux dire. Attends de pas me refaire brûler. Si je vais là, je suis mort. Alors où est-ce que c'est? En fait, il faut juste que je traverse, je crois. C'est bien ça. C'est ça. Les gens. Ah ouais, bah là c'est bon. Ouais. Mirror Head. Oui. Bah ça y est. Bah là tu m'en as mis. Là je vais faire une photo du Left 4 Dead. Alors, Left 4 Dead, le souci, c'était un jeu multi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore la partie. Est-ce que les serveurs sont encore ouverts, tout ça? Mais il y avait une. C'était un jeu multijoueur. Alors. Mais là, tout ça va le faire, ouais. Sonic. Ah, Spec Ops, je l'ai peut-être. Alors pour ceux qui débarquent, alors vu que là on discutait et vu que je propose un jeu un peu rétro, on se demandait, moi je me demandais à mettre sur ma chaîne. Faire de temps en temps un petit peu de rétro histoire de proposer encore de la nouveauté, on va dire, en plus de ce que je fais déjà sur ma chaîne YouTube et Twitch, histoire de mettre un petit peu de jeu rétro, parce que ma chaîne a 1 an et demi, donc forcément vous n'allez pas trouver les jeux sortis il y a 20 ans quoi. Oui, voilà. Tout ce qui est un remake, c'est pas intéressant. Vraiment, des jeux, bah. Toi, ce jeu n'a pas eu de remake. Time Splitter et compagnie, ça.
Wow. Qui me tire dessus? Vous? Ah d'accord, il faut que... Attention de pas se faire écraser, du coup... Oh, grenade. Là-bas, je l'ai vu. Mon ami. Ça, ça fait chaud au cœur, non? Ouais, tout ce qui est un remake, tout ce qui est un remaster, c'est pas du tout intéressant parce que ce sont des jeux qui ont été remis en lumière dans les dernières années, quoi. J'ai envie de dire, j'ai vraiment envie de faire une section, une playlist sur ma chaîne, les jeux qui ont marqué toute une génération, un truc comme ça, quoi. Les classiques d'une génération. Bah, vous voyez le genre, hein. Oh, je suis mort. Ah, il était rigolo, mais je crois qu'il est ressorti. Ah non, c'est lequel d'Astérix? Je sais pas lequel Astérix ils ont ressorti. Mais je sais qu'ils ont ressorti des Astérix. Il y en a eu tellement qui sont ressortis. Alors du coup, bah allez, on va essayer de se les refaire. Allez, allez, allez. Je pense pas assez à prendre de la vie. Hein. Clairement, je ne pense pas assez à reprendre de la vie. On leur court après. Oh non, je me suis fail total. Mais lâche-moi, toi. T'es agaçant. Oh, là, je me cache un peu. Allez. Oh toi, attention, grenade. Allez, là-haut. Ah, ça fait vraiment super plaisir de replonger dans des classiques comme ça, là. Non, d'accord, je les touche pas. Voilà, ils ont sorti les deux XL, tout ça, ouais. Les baffer les tous. Je pars en courant. Et je les attends. Voilà, ça en fait deux. Yes! En tout cas, je sais pas vous, mais moi franchement, je passe un super moment à revenir comme ça sur un jeu. Parfois, j'ai des idées, ça me vient comme ça. Je dis, tiens, si je faisais ça. Ouais. Je regarde ce que j'ai ou je regarde ma bibliothèque et puis je dis, ah tiens, j'ai ça. Ah bah tiens, ce serait bien de faire ça, ce serait bien. Oh là 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 là.
Ah non, j'allais dire, je crois qu'ils viennent de Endgar. Bah non, tu peux pas passer là, mais si. Changer d'arme. C'est pas du tout ça, changer d'arme, les gars. Voilà Mister Lance-Flamme là. Oui, non mais c'est ça toi. Bah moi c'est parce que j'étais là puis je me suis dit tiens bah on est un peu dans une période où il y a pas forcément et surtout que moi je fais des découvertes, alors au final je peux pas faire durer 6 mois un jeu quoi. D'ailleurs vous avez vu, il y a la mage de Starfield avec les mods et tout. Faites attention, je suis en train de manger là. Il y en a un là et un là qui m'embête là depuis tout à l'heure. Je vois quoi? Ben, je vois que je vais buter. Il est là. bah ouais forcément. Il y a les modes, apparemment il y a déjà des modes avec Jango Fett, enfin avec le Mandalorien, tout ça. On peut avoir déjà au moins les personnages. Attends, je peux prendre ça. Ouais. Le lance-flamme, c'est bien, mais. Les gars, laissez-moi quand même. Alors du coup, là, il faut que je monte. Oh, lui, il va me détester, ce que je vais me mettre. Allez, on récupère de la greuse, ça c'est bon. Ouais, j'ai plus de balles de gros pistolets mitrailleurs, donc on va les économiser, utiliser le fusil d'assaut. Voilà, plus de balles de fusil d'assaut, j'ai juste des balles de pistolets mitrailleurs. C'est possible que je meure, parce que je meurs tout le temps, mais pas tout de suite.
Wow, wow. Oh, grenade. Ça. Ah bah ouais, je vais réussir à mourir. Dites-moi. Là, il y a de la vie, donc ça c'est top. Ah non, j'ai pas récupéré de balles pour. Bon, par contre, j'ai récupéré une greue. Ah bah voilà, voilà, je me suis refait de la vie. Ah non, 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 parce que là-haut, il y a une vie à aller rechercher. Une trousse de pharmacie. Là. Oh, il a mangé. Oh, il a mangé, mon ami. Voilà. Ah, il va me contourner. Allez, on récupère les grenades, histoire d'être bien. On récupère aussi des munitions. De la vie pour se mettre bien aussi. Alors, en tout cas, j'espère que je vous donne envie de rejouer au jeu. Actuellement, sur le store, il est à 2,49€. Tourner la valve. Oh, là, les voilà. Voilà. Oh, ça commence à craindre au niveau des balles. Quelqu'un aurait des balles ou de la vie. J'en ai un, hein, mais je voudrais pas l'utiliser. Ce serait dommage que j'utilise ma vie. Ah, il y a des grenades là.
La petite grenade que je récupère. Ça c'est quoi? Des balles de pompe. Des balles de pompe parce que je viens d'en dépenser beaucoup. D'en utiliser beaucoup. En avance, et là on va récupérer énormément des balles. De pistolets mitrailleurs. Ah non, je crois que j'ai viré mon pistolet mitrailleur. Ah ouais, mince, bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ah, tu dois partir, Mika. Ok, pas de souci. Tu fais un grand coucou à la Toulousaine. Et dis-lui de s'entraîner au QTE, sinon on va mourir un peu trop vite dans Dark Picture. Devil in Me. Et tu lui dis que c'est pas dans ta volonté de te moquer de nous, mais que si tu nous vois mourir plusieurs fois comme ça, ça va te faire rire. Oh. De toute façon, moi aussi, moi, je vais pas tarder parce que j'aurais fait... C'est sympa, ce live, en tout cas. Passe un... Mais je suis encore très impressionné par les chargements. Ah, obligé d'ajouter, toucher, trouver un moyen d'évacuer. Bah voilà. Bah, de toute façon, moi, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, c'est pas mal quand même pour un petit live découverte du jeu ou redécouverte du jeu. Et puis, bah voilà. Bon, allez. Moi, je vous dis donc à très vite pour d'autres aventures sur la chaîne, que ce soit Twitch, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube aussi, il y a plus de 1000 let's play sur lesquels je poste l'intégralité de mes replays depuis un an et demi, donc vous en avez plus de 1000. Et voilà. Et je vous dis donc à très très vite, il va y avoir encore du jeu, il y aura ce mois-ci, il y aura du Luigi's Mansion, du coup il y aura pas mal de jeux rétro dont on a parlé là. Il y aura plein de choses, donc voilà. Allez, salut, bonne app à ceux qui sont en direct, et puis bonne app du coup mon Max, et puis bah, je vous dis donc à très vite sur la chaîne. Salut, à très vite.